Bonjour et bienvenue sur Benzaï Live. On est sur Mario, le jeu tout chill, tout kawaii, parce que il nous manque encore énormément. De lune, regardez, je peux même pas. Voilà, 436 lunes. Il nous en manque donc 64, comme la Nintendo, 64, pour atteindre les 500 fatidiques et ainsi débloquer le challenge un peu final du jeu, même si techniquement on peut en ramasser beaucoup plus. Les 500, c'est l'objectif que je me suis fixé. Je pense qu'après j'aurai suffisamment joué au jeu pour après en être dégoûté de la vie. Pour toujours. Alors, hop, on débarque donc dans l'île du poison. C'était l'île où en fait c'était pas prévu qu'on arrive là. Et puis on se crache et il faut aller au sommet, il me semble. C'était un passage assez marrant d'ailleurs. Allez, je veux courir avec les rois de la course. Où est-ce qu'on va, Coco? Mais c'est hyper loin. Mais c'est hyper loin. Attends, c'est hyper loin. Faut aller jusqu'où comme ça? En plus, on perd vraiment des vies. Il faut aller où? Je me souviens plus comment. On va en haut. Oh putain, je contrôle rien. Je fais de la merde de base. Ils vont où ces salopios? On n'est pas prêt d'avoir les 64 qui manquent. Ce serait marrant d'essayer d'en récupérer 32. D'après la prochaine vidéo, il en reste 32. Après, on va où? Mais après on va où? Non! Mais ça rigole zéro. Bon, ok, d'accord. C'est bon, je les ai. Il y a forcément un moyen de tout maroufler, quoi. Tiens, voilà des pièces. Enculé, va, je suis mort trois fois. Mais c'est hyper haut. Et je pense que c'est un des plus compliqués qu'on a fait jusque-là. Il y a forcément moyen de passer directement derrière tout là-bas là. Même si je pense pas qu'on a besoin d'aide là pour le début. Le jeu passe à 30 fps parce que la VR Media fait de la merde.
c'est trop marrant parce qu'en fait dans le jeu, la première fois que tu explores le truc, tu te fais chier à faire tous les machins là. Tu te fais chier genre à essayer d'exploser les murs parce que tu veux pas prendre trop de risques et tout. Putain. Alors si, techniquement, tu vas plus vite quand tu fais des petits roulés-boulés, mais, parce qu'il y a un mais, c'est moins précis que les sauts en longueur. Pourquoi la vermine bug et pourquoi le garder si bug? Parce que je ne sais pas quel autre boîtier de capture permet de jouer en USB 3 directement sur l'écran de son PC sans lag. C'est juste que sur les jeux à 60 FPS, il a des fois, il repasse à 30 par sporadiquement. Donc oui, effectivement, hein. De rouler en boule. Va plus vite. Non putain, oh. Voilà, hop, je suis en train de griller mon avance. Qu'est-ce qu'il fait? Putain! Non. En fait, le plus chiant à gérer dans ce jeu, c'est le stress, quoi. Bon, au moins, on n'a pas eu besoin de maroufler pour le mode hard. On est bien. C'est pas le mode expert ? Mais pourquoi on l'a refait ? Y a pas de mode expert. On n'est plus de prix en réserve, d'accord. Putain, on l'a refait deux fois pour rien. Je disais aussi. Bon, allons exploser cette saloperie. De pierre de lune. Afin de débloquer de nouvelles étoiles. Qui sont en fait des lunes et qu'on appelle ça des étoiles quand même. Ah, il y a mode expert quand t'as brisé le cube, mais oui, je bête. Et oui, on suit pas, nous. Allez, retour au début. Oh, les feuilles, je les ai oubliées, celle-ci. Par contre, hein, le 100%, ce sera non. Non, juste non. Ta gueule, champineur. Bon alors, quel défi incroyablement pas du tout stressant allons-nous pouvoir faire ici? Bon, ça va, ces petites bestioles, je les aime bien. Oui, en fait, ils sont chiants. Pourquoi? Mais putain, mais merde à la fin. Faut vraiment avoir la tête bien par-dessus, quoi. C'est qu'il faut appuyer deux fois.
Ah merde. Il va pas réparer la plante. Bah oui. Ce serait beaucoup trop bien. Bizarre qu'il faille mettre une patte en dehors. Donc je suis sûr que la deuxième lune cachée, c'est quand tu laisses la plante allumer les deux fanions. Mario, le jeu du stress, les gars. Mais je me souviens de cet endroit. Je crois qu'on n'a pas encore récupéré toutes les lunes ici. Tu vas la voir, ta lune. Mais là, oh putain, je suis dessus, sa mère. Oh merde, lui. Ok. Bip, coucou. Merde. Aïe. Matrix. Comment Nintendo fait pour réduire les chargements? Mais déjà le jeu est sur cartouche donc voilà. Techniquement, je suis obligé de refaire ça, mais bon. Voilà une bonne chose de fait. Ensuite, la course. Version hardcore, qu'est-ce que ça va donner? Galaxy n'est pas sur cartouche, il me semble. Oui, Galaxy a des temps d'accès plus longs. Surtout Galaxy 2 qui est sur double couche. Est-ce qu'il fait 7,5 giga? Je vais charger quoi. Si j'optimise bien, je ne serai pas inquiété. À moins qu'il prenne un raccourci. Il a pris un raccourci. Je sais pas pourquoi j'ai un délai quoi, genre. Pourquoi il veut pas que je fasse le saut directement quoi? Je suis bien au petit. Au petit oignon. Connard. C'est bon. Voilà, first try. Sblim. Here we go. Là. Alors visiblement il y en a une enfouie là-bas, donc on va aller voir ce que c'est. Explorateur.
Celle-ci très très dure. C'était même pas une des nouvelles. J'étais juste là, mais... En fait, j'étais pas revenu depuis qu'on avait fait le... l'événement... Enfin, le scénar de ce niveau. Du coup, ça fait que s'il y a des grosses lunes de noobs disséminées un peu par... un peu ça et là. Mais celle-ci, on l'a déjà. Qu'est-ce qu'il y a, petit chapeau? Oh, mais tu veux que je vienne avec un petit mille-pattes? Allez, voilà. Ouais, donc, il y avait vraiment moyen de bourrer le truc. Ah, mais oui, mais du coup, il faut faire... C'est quand même un peu chiant, je dois l'admettre. Mais non, mais quoi? Mais... Et du coup, je fais comment? Arrêtez de débattre si les jeux en cartouche sont des clés USB. Déjà, ça va m'énerver. Mais c'est facile. C'est que sur le coup, ça me paraissait quand même plus haut au même niveau que le truc d'en face. Donc, c'est genre, non, il y a forcément une autre astuce. Je sors de ton corps, ça te fait mal, ouais! Bah. Wow. Oh, petit lapin. Surtout, restez calme. J'ose pas... Voilà. Il m'a dit qu'il y en avait une là. Je comprends pas là. Elle est sûrement à un autre étage. Ah oui, bah elle est juste là, justement.
D'accord, donc Mario, c'est absolument pas de ça que t'en avais parlé. Putain. Bon alors, ce lapin de merde. Bon, il va peut-être falloir arrêter ce stream avant une certaine heure. Avant que ça dégénère, parce que là, je pense que nous regrettons déjà tous d'être venus. Je vais m'excuser. Voilà, crache là ta pilule. Putain, qu'est-ce que j'ai fait de plus ou de moins? Par contre, c'est quand même, il y a quand même quelque chose de beau, il faut bien l'admettre, avec cette histoire de la... En fait, t'as l'impression, là, quand tu refais les anciens niveaux, que t'as des super pouvoirs, parce que tu maîtrises totalement la plateforme, sauf que c'est pas comme dans un Metroid où tu reviens. Bref, c'est pas comme dans un Metroid où tu reviens... Avec vraiment des super pouvoirs par rapport au début du jeu. Non, là le pouvoir était en toi depuis le début. Oui, ça c'est pas mal ça. Mais oui, il fallait... Putain, mais merde, le niveau, c'est le niveau des espèces de machins accordéons, et moi, je m'en sers pas, quoi. Ah ben, en plus! On va l'attraper. Voilà. Ah, il m'annonce. J'en aurais deux. Alors, des fois, je vois pas bien où est-ce que ça se situe. On va aller au sommet, hein. Arrêtez de se faire chier. Ça reste une map plus agréable pour moi que le royaume du pot-au-feu là qui m'a juste cassé les couilles. Est-ce que j'ai tout acheté au pays du poison? Est-ce que c'est l'île du poison? Oh. Ah, je pourrais acheter le truc de Bowser, mais en fait, payer 1000 pièces d'or, ça ferait qu'après, j'aurais pas le droit de mourir. Ouais, mais la bouffe, c'est le pire, moche et chiant. Ouais, mais non, mais c'est ça le problème, hein, c'est que les gens disent que ce Mario est parfait, et il se permet d'avoir des niveaux juste chiants, et il y en a pas, et alors que... Il y aurait une orgie de niveaux, comme un Mario Galaxy 1 et 2. Et là, c'est même pas le cas. Le capitaine par ici. Et toi, t'es pas le capitaine? Mais non. Et là, ce papillon de lumière. Quoi?
Allez! Y'a pas vu la lune sur le palmier? En haut là? Effectivement. Ça fait rien que tu aies des pièces ou non quand tu meurs. Ah bon, y'a pas game over quand t'as plus de pièces? Je sers à rien, je pourrais être très fun, mais je ne suis qu'à certains endroits. Le game over n'existe pas. Non, t'es juste à zéro. Ah ouais? Alors là, vous m'apprenez quelque chose. Moi j'aimais bien le fait que Mario ait des niveaux du mal où tu pouvais juste te prendre une grosse pile. Mais je vais quand même pas acheter la casquette de Bowser parce que j'ai pas les finances. Je suis radin comme dans la vraie vie quoi. Comme dirait Manu, t'es vraiment une pince. Ouais, je l'avais pas mal rendu fou avec ça. Attends. C'est celle qui est là, là? Là-dedans? Qu'est-ce que... Quoi? Comment on va y arriver? Parce que j'avais dit à Manu, genre, ouais... franchement, moi, je suis très content de mon téléphone. Hein, et puis, je l'ai payé que 250 euros. Et comme il a vu que j'étais fier de pas avoir dépensé beaucoup d'argent... C'est un hareng. C'est un hareng, voilà. Exactement, ça. Mais du coup, attends, est-ce qu'il faut un pignouf du coup? Comment tu fais? Oh si, c'est juste un long shot. Mais dégage! Merci Milady. Mais attends, c'est apparu sur le stream, j'ai pas fait gaffe. Normalement, il y a un Streamlabs activé. Hein. Donc c'est un fail. Ok. Et sans regarder! Comment ça ne lui lance pas le chapeau? Tu veux que je fasse comment? Hein? Un petit noscope. Tinoscope. D'accord que elle... Donc par là, il y a deux étoiles qui sont... Ah ben là. Forcément, là. C'est l'heure du défi. Merde. Le défi de merde. Ah. Avec des zig de merde, parce que ce nouveau Mario, qui
C'était pas très rigolo. Je fous là. Je branle. Oui. Connard. Aïe. Ça, c'est pas mal le fait de devoir désapprendre un petit peu ce qu'on sait. Non, quel con! Il s'est cramé le cul! Ça bouge ton cul, alors attention. Là, ok, maintenant. Ah ah! Oui. Non. Alors quoi? Il revient là-bas? Non, faut réfléchir. Ta gueule, toi! Ou alors est-ce qu'il faut juste te laisser courir? Ah, voilà, là il va sur le truc. Du coup, maintenant, tu peux l'avoir. Ouah! 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 En fait, j'aurais activé la plateforme en premier, on aurait perdu beaucoup moins de temps. Chose à faire, hein. Non, vous croyez pas? Mais oui, je suis con. Ça, c'est certainement pas pour les petits oiseaux. Pourquoi quand je sors du truc, il a encore sa moustache? Ah non, pas la jaunisse. Mon slip est en feu. Clac, le perroquet est là. Ils disent qu'il y a une étoile là. Ah oui, d'accord, c'est l'étoile petit défi. Vous y avez pas cru, hein? Vous y avez pas cru, vous y avez pas cru, vous y avez pas cru.
Vous y avez pas cru. Le papillon de lumière. C'est bien, les gens se servent bien de l'emote de Fort Boyard. Merde. À l'aide. Alors, moi je pense hein, c'est ça qu'il faut faire. Hein. Je voulais jeter mon chapeau. Commence à voir le papillon, t'as pas assez regardé MV. Mais j'ai pas, je me suis pas, c'est à dire que voilà, je me suis pas spoilé Mario Odyssey que j'ai acheté 50 balles pour regarder MV faire tout le truc. Par contre, j'ai regardé quand j'ai commencé à quand j'ai avancé dans le jeu, j'ai regardé un peu son speedrun. Putain! Oh oui, j'avais totalement calculé ça. Oh, les sous les projecteurs. Le tout en 1h19. Mais attends, il a pas besoin de prendre ce papillon. Si ? Put ! Si, si, d'accord, il prend ce papillon. Ok. Enfin, en plus, il doit tellement le prendre au pif. Mais du coup, j'ai pas regardé tout le speedrun d'MV parce que justement, je voulais pas me spoiler les niveaux que j'avais pas encore fait. Il fait quoi après? Quoi? Il suffit de lancer son chapeau par derrière? Ah! C'est même pas un truc totalement schnapsé, quoi. Roche papillon, il s'en va, du coup il reste pas 36 trucs à faire. Putain! Papillon de merde! C'est tout? Et je me casse. J'en ai marre de toute façon des lunes pourries quoi. Genre tape dans un ennemi, ça te donne une lune, mais il y a plus de voilà. Rendez-moi mon Mario. Il y a plus de standard ma bonne dame, tout va à volo. Les chiens et chats sleeping together.